pour Sid Mills, le titre temporaire de la composition a changé. C'était rivalité, maintenant elle s'appellera Helt, qui veut dire héros en danois. Ou en suédois, je ne sais plus. Alors, le créateur du jeu, Maxence Albanel, m'a commandé une musique de 3 minutes environ, sur la base d'une composition que j'avais créée il y a quelques années qui s'appelle Lament for Icarus, que vous pouvez écouter sur ma chaîne YouTube. Alors, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que j'ai chargé en fait toutes les pistes de ce projet Icarus sur mon forme pour faire un template en fait avec les instruments de ce projet là, car c'était une demande de Maxence en fait d'avoir les mêmes instruments, les mêmes tonnets, le même style de composition en fait. Il a beaucoup accroché sur cette compo et voulait à peu près retrouver ces ingrédients là. Donc là je suis en train de travailler sur une sorte de pad qui a un son avec pas énormément d'attaque, assez ambiante. Donc vraiment tout début d'une composition, je fonctionne pas forcément toujours de la même façon pour commencer. Mais là en tout cas, c'est vraiment classique, on va dire. J'essaie de trouver des notes qui me plaisent, qui fixent un peu la ligne vers laquelle je vais aller après, sachant que je vais probablement tout modifier, à la fois en termes de gamme, de scale, de rythme. En fait, c'est vraiment de la recherche à ce moment-là. Je regarde là les instruments en fait qui sont à ma disposition. Il y a un début de code couleur aussi pour l'organisation des différentes familles d'instruments. En haut, c'est les pads. Donc ça va de l'instrument que j'utilise au début à cette espèce de note tenue là qui joue, qui se rapproche d'une basse un petit peu. Si vous êtes vraiment débutant, ce que vous voyez là, en fait, ce sont des automations qui sont faites sur le paramètre de volume. Ça permet, lorsque vous avez une note qui dure comme ça, de faire en fait varier l'intensité. Donc là, en termes de volume, il y a plusieurs paramètres qui peuvent être... tous les paramètres peuvent être réglés sous forme d'enveloppe, avec des figures que vous dessinez vous-même, soit en cliquant pour définir des points,
soit avec un outil qui vous permet de dessiner. Et ça donne, ça, c'est vraiment très important en termes de dynamique sur, sur un morceau de servir de ces enveloppes. Oui, je sélectionne avec le S qui met en solo, en fait, normalement, un seul instrument, mais vous pouvez sélectionner plusieurs instruments. Du coup, vous sélectionnez vraiment les sections qui vous intéressent pour travailler en particulier, marier les sons entre eux, avec, en n'ayant pas l'ensemble du morceau. C'est surtout valable quand vous avez des percussions que vous avez écoutées un certain nombre de fois et qui vont vous parasiter si vous ne vous servez pas de cette possibilité de mettre en solo des sections particulières de votre morceau. Donc vous appuyez sur le S, ça va mettre en solo une piste, ensuite vous appuyez sur CTRL et vous sélectionnez toutes les autres, toutes celles qui vous intéressent. À côté du bouton solo, vous avez un petit point, un petit cercle qui vous permet d'activer la fonction soit si vous avez un clavier MIDI de jouer, soit directement avec le clavier de l'ordinateur, ça marche aussi. Une belle de Omnisphère. Je mettrai la liste des instruments. Là, les instruments en bleu, vous les entendez seulement si vous avez un casque ou des enceintes assez conséquentes, parce que ça descend assez grave. Et on n'entend pas ces fréquences-là sur le système, sur la sono d'un ordi, par exemple, ou d'un téléphone. Là, j'essaie de trouver un pattern de notes courtes en staccato violon. J'ai un groupe qui s'appelle Charts Short Notes avec des instruments de violon, staccato, pizzicato. Thank you.
Oui, pour éviter de réécouter l'ensemble de toutes les mesures en fait sur une partie précise d'un morceau, vous pouvez vous placer au niveau du piano roll sur la barre du haut et vous avez un microphone qui apparaît. En fait, ça vous permet, si vous cliquez ensuite un clic gauche, voilà, comme ça, de faire repartir la lecture à ce moment-là. Pour l'instant, le seul élément qui apporte un peu de rythme, c'est ça, c'est le staccato. J'ai pas encore défini de gamme pour le morceau. Ça peut arriver que je prenne une gamme spécifique pour composer, mais là, c'est pas ce que j'ai fait. Je vais vérifier, mais a priori, là, ça sera du ré mineur. C'est important d'avoir des vélocités différentes pour les notes. Pour les staccato, je trouve que ça, voilà, ça donne un peu plus de réalisme au jeu. Quelque chose qui est assez connu dans la production de musique électronique, ça vaut pour aussi pour les batteries, en fait, toutes les choses répétitives qui existent dans la musique,
par exemple les patterns de hi-hats ou là les notes répétées en technique de violon staccato ne seront pas jouées avec la même intensité, même le meilleur joueur du monde ne peut pas être tout à fait constant et c'est pas le but recherché non plus je pense. C'est les nuances qui souvent apportent, qui donnent de l'intérêt et qui confèrent à un jeu son exclusivité. Donc là, on essaie de faire un peu la même chose avec les mélodicités de notes. C'est ce que vous avez sous le piano roll, les espèces de tiges avec les points. Progression, je vais bouger la tonique. Là, j'ai dupliqué, vous avez vu le staccato sur In Memoriam pour ensuite garder des temps forts pour accentuer certains passages. Mais en fait, non, ça ne plaît pas, donc je l'ai supprimé. Ouais, on va laisser un peu le son. End of Days, donc un instrument de percussion. Une évolution de percussion qui vient de Albion One Spitfire Audio. Au niveau de la timeline, on est à peu près à 20 secondes. Donc là, c'est vraiment quasiment la fin de l'intro du morceau. Parce qu'on a déjà un début de ligne mélodique. On va poser certaines bases en termes de pattern de notes courtes aussi. Et
In Memoriam qui va servir pour l'intro à cet endroit-là précis, je sais pas si je vais le garder comme ça. Passer les notes sur le preset violent et du tremolo. Mais bon, on n'entend pas beaucoup ça. L'instrument Blockbuster, c'est un multi de Symphobia avec plusieurs instruments qui jouent en même temps. C'est assez fat. Ça aussi d'ailleurs. Commence à un petit peu à monter, hein. Il faut vraiment, il y a encore énormément de travail pour trouver la bonne progression. Je travaille en même temps, en parallèle un petit peu sur le mix, dans le sens où il faut équilibrer les instruments les uns par rapport aux autres pour que ça sonne. Je trouve que la basse ajuste avec cet instrument d'omnisphère, ça passe assez bien. Les violons. Thank you.
pour le plaisir un peu de jouer en live sur les cuivres. Je pense que je ne vais rien garder de ce que j'ai joué. On duplique les 4 à 8 mesures. C'est toujours très, très inexistant cet instrument qui s'appelle synth. Pour monter d'une octave, une note, raccourci très intéressant, shift plus flèche du haut sur le clavier. Une octave plus loin. Enveloppe, modulation. Toujours comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est pour donner un peu de dynamisme et d'expressivité au joueur, de la nuance. Les enveloppes qu'on peut dessiner avec le stylo aussi, comme ça. Petite grappe de piste audio qui ne servait pas à grand chose pour l'instant, supprimée.
là, je fais une sorte de genre d'arpège sur le trémolo et je suis en train de trouver en fait un élément important du morceau. Un violon qui a un son legato lié, mais avec des notes assez courtes, et ça fait une arpège qui est intéressante, que j'aime beaucoup, qui est un petit peu inspiré aussi de ce que j'ai entendu dans l'OST de Dark Crystals, la série là qui est reprise de Dark Crystals original. La musique de cette série est vraiment géniale. Le thème de la résistance. Maintenant, il faut essayer de trouver le pattern du staccato. Pour accompagner ça. On va changer d'instrument. On va aller chercher le preset staccato chez Cinematic Studio Strings. Là, je vous ai enregistré la session sans coupure. Donc vous aurez vraiment l'intégralité de ce que j'ai fait, toutes les petites étapes. Donc c'est vraiment... Les chargements d'instruments font partie du travail, ça va quand même relativement assez vite. Voilà, l'instrument est chargé, donc chez SS on a dans les notes courtes qui sont regroupées sous le non staccato plusieurs possibilités que vous avez vues. Là, je suis en staccato. Là, à gauche, en bas, c'est les micros, les différents micros. Et l'idée, donc, c'est de doubler le staccato principal une octave au-dessus, et j'ai rajouté un écho tel travail. Les percussions sont trop fortes.
technique, un violon qui a un son legato lié, mais avec des notes assez courtes, et ça fait une arpège qui est intéressante, que j'aime beaucoup. Qui est un petit peu inspiré aussi de ce que j'ai entendu dans l'OST de Dark Crystals, la série là qui est reprise donc, de Dark Crystals original. La musique de cette série est vraiment géniale. Le thème de la résistance. Maintenant, il faut essayer de trouver le pattern de staccato. Pour accompagner ça. On va changer d'instrument. On va aller chercher le preset staccato chez Cinematic Studio Strings. Là, je vous ai enregistré la session sans coupure. Donc vous aurez vraiment l'intégralité de ce que j'ai fait, toutes les petites étapes. Donc c'est vraiment... Les chargements d'instruments font partie du travail, ça va quand même relativement assez vite. Voilà, l'instrument est chargé, donc chez SS on a dans les notes courtes qui sont regroupées sous le non staccato plusieurs possibilités que vous avez vues. Là, je suis en staccato. Là, à gauche, en bas, c'est les micros, les différents micros. Et l'idée, donc, c'est de doubler le staccato principal une octave au-dessus et j'ai rajouté un écho tel travail. Les percussions sont trop fortes.